ballon officiel de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui aura lieu dès le 13 janvier, c'est ça, en Côte d'Ivoire. Donc le ballon, il a été décliné, il s'appelle Poku, il porte le nom d'un ex-sociétaire de l'équipe nationale de football, en la personne de Laurent Poku, qui a aussi son nom dans un stade, un des stades de la CAN. Oui, dans un stade, Laurent Poku, c'est une reconnaissance. Pendant très longtemps, il a été considéré comme étant le meilleur joueur de l'histoire de la Côte d'Ivoire avant que la génération de Drogba et Nyeri n'arrive. Donc, je pense que c'est une bonne. C'est un beau ballon aussi. Hein. Ouais. Voilà, je vous rappelle, il y a une CAN, il y a un ballon qui avait été décrit parce qu'il était de couleur jaunâtre ou je ne sais plus trop. Mais celui-là, le design, il a l'air bien fait. Et on sent que c'est Puma qui a signé la confection du ballon. Oui, effectivement, comme le montre... Tout le monde regarde le ballon, plus personne ne peut commenter. Il est beau, hein. Il est très beau. Il est très beau. Ah, parce que j'ai lancé la question, tout le monde est silencieux. D'accord, bon, mais... Avec de belles couleurs. Admirons et taisons-nous, alors. Le orange de la Côte d'Ivoire à côté, tu vois. La forêt, le vert qui représente la forêt, qui représente en fait les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Et c'est un très beau ballon. En tout cas, rendez-vous pour... climat pour moi. Voilà, rendez-vous pour la Coupe d'Afrique des Nations où la Guinée participera aussi. Aussi, elle sera dans la même poule, j'allais dire, que le Cameroun, que le Sénégal, et puis aussi la Gambie. Voilà, hein, donc on est capable de battre le Sénégal et de se faire frapper par la Gambie. Ouais. Donc j'espère que cette année-là sera notre année, comme le disent les autres.